coup à la matraque. Le traumatisme de la soldatesque envoyée à l'assaut d'élèves instituteurs à Bombay restera gravé à tout jamais dans les mémoires. Les frasques liberticides du pouvoir se multiplient. Le recours à la force brute est le témoignage d'une grande frilosité au sommet. Le recours à la matraque, les communiqués successifs pour mettre en garde tous ceux qui parlent, qui marchent, les interdictions de manifester comme éteignoirs de la contestation. Pourvu qu'on n'en arrive jamais à la baïonnette. Face à face ce soir, Martin Assogba, président de l'ONG Alcrer. Martin Assogba, bienvenue, bonjour. Merci beaucoup. Bonsoir à cette heure-ci. Bonsoir. Bonsoir. On peut aussi dire bonjour puisqu'on ne s'est pas vu depuis ce matin. Pourquoi pas? On peut se dire bonjour. Bonjour et bonsoir à tous les auditeurs de Canal 3. Gaston Zanou, président du cadre de concertation de la société civile de l'Atlantique. Bienvenue, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bienvenue et bonsoir à vous tous qui avez pris ce rendez-vous. Merci à vous qui nous renouvelez votre confiance, par beaux et mauvais temps aussi. Le thème ce soir, donc, c'est en gros les libertés publiques. Qui sont, selon certains de nos compatriotes, menacés depuis un moment. Élèves instituteurs syndicalistes adversaires du régime ne sont plus rassurés de pouvoir tenir meeting tranquillement sans un assaut de la soldatesque, sous instruction de préfets zélés généralement. Alors, question Martin Assogba, les libertés publiques sont-elles en ce moment menacées dans notre pays? À l'allure où vont les choses, il faut tirer sur la sonnette d'alarme. Absolument. Il faut éviter qu'il y ait des débordements. Parce que quand on commence par sentir venir ces genres de positions en une période démocratique où nous avons acquis la liberté par des luttes, on ne pourra pas, à zéro franc, accepter que des personnes qu'on n'avait pas vues à l'œuvre viennent mettre les populations en danger. Donc, il est important et qu'on commence par en parler, comme vous nous avez invité à venir commencer par parler, on en parlera abondamment pour que les velléités soient tuées dans ceux-là qui en ont ces velléités, ceux qui ont ces velléités dans leur corps. On parlera sans se lasser, on parlera et on parlera pour que personne ne se sente capable de nous arracher la parole, puisque précisément c'est ce que nous avons obtenu et arraché à la Conférence nationale des forces vives de la nation. Et vous, à l'ONG Alcrer, vous faites de la veille citoyenne et depuis un moment, vous faites désormais partie du paysage, on vous connaît. En effet, Gaston Zanou, votre mot introductif, y a-t-il, et c'est le même exercice que Martin Assogba, y a-t-il en ce moment une chape de plomb sur les libertés public en République du Bénin? Merci, monsieur le journaliste. Mais de ce que je peux dire, c'est que la liberté publique est, à mon point de vue, si tant est-il qu'elles sont menacées, nous sommes aussi d'accord qu'on fasse tout pour les préserver. Parce que dans ce pays, nous sommes aujourd'hui une bibliothèque en ce qui concerne la lutte des peuples. En ce qui concerne la lutte des peuples, à conserver les libertés, à défendre les libertés, parce que nous les avons arrachées au prix de notre vie, au prix de dures luttes. Donc je pense que c'est un trésor qu'il faut absolument préserver. Mais quant à dire que les libertés sont menacées, je crois que... Il y a un pas que vous ne franchirez pas. Oui, moi, là, je reste encore mitigé. Mais je suis d'accord globalement que les libertés, rien n'y touchera. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes membre de la Ligue pour la défense des droits de l'homme, la Ligue présidée par... Monsieur Julien Togbadia, voilà, présidé par Monsieur Julien Togbadia. Vous nous avez dit qu'il n'y a pas en gros de menace, il n'y a pas d'hypothèque sur les libertés, mais on a suivi, vous comme nous avions suivi la dernière fois des comptes rendus du Conseil des ministres
très vindicatif, au ton très acerbe qui mettait en garde. Il y a eu des interdictions de manifester à travers le pays. Et puis, on a interdit depuis un moment le ministre de l'Intérieur de manifester dans l'affaire d'Anivor, et ceci jusqu'à nouvel ordre. Quand on met tous ces éléments bout à bout, vous dites, vous continuez de soutenir qu'il n'y a pas menace. Je ne dis pas qu'il n'y a pas menace. Mais je ne vois pas exactement la chose de la même manière que ceux qui peuvent dire aujourd'hui ou qui disent qu'il y a menace sur les libertés. Moi, je le dis tout simplement parce que, notamment en ce qui concerne l'affaire d'Anivor, moi, j'estime que la manière dont les choses évoluent aujourd'hui, il me semble qu'on remue un peu du couteau dans la plaie des parents de Danivan. Parce que a agité une affaire dont l'issue n'est pas encore effective, je ne pense pas qu'il faille maintenant aller de cette manière, marche par ici, protestation par là, grève par ici, et au motif que c'est à cause de Danivan. Vous saluez la décision du ministre de l'Intérieur. Moi, je ne salue pas la décision en tant que telle, mais j'estime que les libertés des uns commencent là où s'arrêtent celles des autres. Mais mon collègue, le doyen Assogba, venait de dire que nous sommes à un moment délicat où tout en parlant de liberté, nous ne devons pas nous en servir pour